Salut à tous, c'est Nifex8, on se retrouve sur Star Wars Battlefront, on part en mode, je ne sais plus son nom, on va le voir, c'est pas indiqué sur l'accueil, je me perds dans cargaison, voilà, base rebelle, on va se faire une bonne petite partie, j'adore ce petit mode de jeu, on verra qui on tombe, là du coup c'est vrai que l'équipe est très importante sur qui on tombe, parce que forcément 6v6, si on tombe sur des personnes pas très bonnes, c'est assez chaud, on a tendance à vite perdre, j'espère qu'on va bien se passer. Et tout ira très bien pour nous. Donc le mode cargaison, il faut récupérer justement la cargaison adverse et la ramener à notre base pour marquer un point tout simplement. Ça se passe plutôt bien. Qu'est-ce qu'on prend du coup? Tir auto-guidé, non. Plutôt prendre les grenades à impact avec le réacteur. Je pense que ça peut le faire. Écoutez, c'est parti. Cargaison base rebelle. Je sais plus si j'ai déjà fait une cargaison sur cette carte, je m'en rappelle pas. En tout cas, on y va. Ah oui, j'ai déjà fait. Très sympa. En cargaison, elle rend très très bien. Donc là-bas, à récupérer et la défendre. Ouais, ils ont pris notre carte. Dégage, toi tu vas mourir mon gars. Non. Bon, moi j'ai eu la cargaison. C'est déjà ça, ça fait des points. Et ça retarde l'adversaire. Il faut qu'on défende. Il faut défendre à tout prix. On est quoi, 5-5. Pour qu'on ait égalité. Ah, t'en bouges pas mon gars. Il sait pas où je suis. Il sait pas où je suis. Et il est mort. Par contre là c'est un peu chaud. Je suis à découvert. Je vais essayer de récupérer le truc. Vu qu'ils sont en train de nous mettre la pression. Je vais essayer de leur mettre la pression également. Il n'y a pas de raison. Il faut se battre pour récupérer 30 mètres. Ah, si je fais tout un labyrinthe par là. Je prends l'extérieur, mais je préfère sécuriser, pas prendre trop de risques. Normalement, j'arriverai par derrière comme ça. Le petit bonus quitte à faire. Ah, ça peut être bon ça. Je pose là. Des fois que j'en ai un. Il est où le gars? Ok, toi t'es mort. Ils sont beaucoup là. Ils sont beaucoup. Ah, zut. Ah, le petit succès au passage. C'est quoi la cargaison? Tu es 10 ennemis porteurs de caisses de marchandises. Je vais y arriver. Ok, bon, écoute, c'est très bien. Enfin. Ah, il avait la caisse de marchandises le type? J'ai pas l'impression pourtant. Enfin. Il me semble pas qu'il l'avait. Bon, je ne sais pas, c'est pas important. On a mis une mine là-bas avec un peu de chance, elle fera un kill. On bloquera l'adversaire comme ça. Moi je vais récupérer ça. Ennemi. Oh la mine! Ah! J'ai pas eu le temps de me barrer. J'ai entendu le bruit, c'était trop tard. J'aurais dû sauter dans l'autre sens, j'ai pas le réflexe. Ce n'est pas grave, on repart. 4-6. Oh, ils ont chopé notre caisse, ces enfoirés. Ils sont bien démerdés. Ils se sont bien démerdés. Aïe, j'ai peu foiré mon saut. Oh non, encore une mine, c'est pas sérieux. C'est bon. Oh, par contre, toi je t'ai pas vu. Waouh, oh là là, on se fait mes gangbang. Enfin, réussir à faire ça un peu mieux. On va se concentrer 2 secondes. Et on va peut-être faire du grand n'importe quoi. On a aussi le bouclier, pas l'oublier surtout. C'est vrai que ça peut être très utile. C'est à qui? C'est un autre. On la ramène. Qu'est-ce qui se passe, les gars? Il y a un problème? Toi, je t'ai vu. Viens par là. Oh, mais t'es sérieux? Ils sont derrière. En plus, ils ont carrément des tourelles un peu partout, les gars. En mode tranquille. On va essayer de couvrir ça. Là, ça devient dangereux. Défendre 100 mètres par là. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va défendre ou pas? On est plus proche de l'attaque, là, quand même. Ah, oh, je vais me faire défoncer. Je pose ça au cas où. Mais bon, elle est mal placée. J'aurais peut-être dû la garder. J'aurais peut-être mieux fait de la garder. Est-ce que tu peux sauter là? Ah, oh, oui, parfait. Non, ils m'ont vu. Oh, j'ai pas eu le temps. J'avais tellement plus de vie. J'aurais dû attendre un peu plus de vie. J'aurais pu me les faire facilement. Mais avec même pas 22 vies, c'était forcément un peu chaud. Récupérer la caisse. Elle est juste ici. Vite, vite, vite. On défend. Est-ce qu'on reste ici pour défendre ou pas? Non, c'est pas drôle. Moi, je vais attaquer. Je vais leur apprendre ce que c'est que le respect. Et leur piquer leur matos. Un petit blaster. Ouais. C'est pas très très utile. On va changer. On va prendre plutôt ça. Wow, t'es où toi? Il est toujours là cet enfoiré, il a pas bougé. Moi j'ai chopé le bonus, c'est déjà ça. Bon, on sait qu'il est là. Là je vais me le faire direct. C'est bon, je spawn, là, je suis juste là en plus. Oh la mine. Il y en a qui s'est chopé la mine. Et toi je sais que t'es là. Une petite grenade. Et on finit ça. Il y a le gars qui va pas être normalement. Il va sortir. Oh là là, vite, saute. Ah, il était là. Il était pas où je pensais. Ah non, c'est un autre lui. C'est pas. C'est un autre. C'est pas grave, au moins on s'est fait le truc. Salut! Merci! Passez une bonne journée! Ils sont ouf. Je crois qu'il y a du mec, du monde qui va arriver là. J'entends des bruits. Est-ce qu'il est toujours là le gars qui était là tout à l'heure? Non, a priori c'est barré. A priori il est plus là. Toi t'es mort. De ce côté personne. Et de ce côté personne. Bon, ça va. Tu parles personne, que dalle! Elle est toujours là cet enfoiré! La grenade. La grenade qui va lui picoter les yeux. Ah, il tourne, il tourne! Ah, il a bouclé. Quel enfoiré! Oh, puis derrière! Ça pardonne pas, j'ai plus de vie. Forcément, il a mis son bouclier pour se barrer. Quand il a vu la grenade qu'il avait en pleine gueule, ça l'a calmé. Il va falloir défendre parce qu'ils sont en train d'arriver méchamment sur nous. Est-ce que je peux passer par ici? Non. J'ai une toile qui sert absolument à que dalle là. Pose là. Merci. Ça, c'est déjà vachement mieux. C'est déjà vachement mieux si je pouvais réveiller à temps par contre. Parce que normalement, ils vont arriver à attaquer. Ils vont attaquer en principe. Non, c'est bon. Écoute, ça a l'air d'aller. Ils ont pas réussi à passer. On a pu défendre, tant mieux. Donc, ce que je vais faire. Ah, c'est chaud. 4-6, vraiment qu'on puisse avancer plus que ça. Wow, vas-y, la grosse bombe. Barre-toi. Boum. Il y a un problème, les gars. Ma grosse bombe a parlé. Elles sont plusieurs. Il y a du monde en face. On va mettre la pression. Wow. Non, barre-toi. Barre-toi le plus possible. On va les contourner. Parce qu'ils me font un petit peu mal. On se prépare à balancer la grenade. Oh, barre-toi.
Est-ce que la grenade sera suffisante? Non, malheureusement. J'avance, mais c'est un peu dangereux là, c'est pas malin ce que je fais. C'est plus pour mettre la pression qu'autre chose. Parce que là, je vais me faire défoncer. Je vais me faire défoncer, comment on peut faire ça? Les gars, ils se planquent. Attends, récupère un peu ma vie, c'est bon. Est-ce qu'ils viennent? Ouais, ils viennent par là. Un autre volontaire. Viens par là, mon gars. Viens par là. Je t'attends. Non, c'est bon. Ouah, il est ouf! Ouf, la chance. Le coup de balle là. Le méga coup de balle. Heureusement qu'il y avait pas de qui était à prendre couvrir, j'attends de récupérer ma vie. Et on y va. 4-6 toujours. Enfin, vraiment, quand on essaie d'en repiquer une. Parce qu'on est en train de perdre la partie, c'est pas cool. Est-ce qu'il y a toujours le gars qui est en train de squatter ici? A priori, c'est bon. Waouh, tu parles! Ah, c'est toujours lui avec sa coupe de cheveux là, je le reconnais. Celui qui m'a défoncé tout à l'heure. Bon, là au moins il est mort, c'est déjà ça. Ok, ça pète là, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe par ici? A priori, il y a du monde. Vas-y, sors ça. Sors ça. Vous êtes où les gars? Venez par là, je vous attends. J'ai mon petit lance-missile qui veut parler. Qui veut vous apprendre le respect. Je crois qu'ils sont plutôt à droite. Non, c'est mes potes. Ouais, écoutez, c'est bon. Ouais, bouffe, on y va. On réfléchira plus tard. C'est quoi ça? C'est gentil ou pas? Non, c'est gentil. C'est juste un robot. Y a pas de problème. On ne s'inquiète pas pour tout et n'importe quoi. Tout ira bien dans le meilleur des mondes. Ce que je vais tenter de faire, c'est bourriner. Espérant qu'il n'y ait personne. Là, je prends des risques. Ah merde, c'est pas ici. C'est plus loin encore. C'est encore plus loin. J'ai toujours ça. Je suis prêt à tirer. Je suis prêt à tirer au cas où. Ah, il est là. Viens par là, mon gars. Viens par là. Est-ce que t'es con et tu vas venir sur moi? Parce que si c'est le cas, ça peut être drôle. Ah merde, la grenade. La petite grenade. Oh non, il m'a eu avec la grenade. Je pensais pas le barrage. C'est moi qui étais très con là pour le coup. C'est moi qui ai couru dans son piège. Il voulait juste en que je vienne pour essayer de me battre comme ça. Il m'a totalement eu. Là, j'étais particulièrement stupide, on va dire. Là, il y a du monde. Toi, je t'ai vu. Est-ce que je pourrais t'avoir? C'est bon. Merde, saute, saute, saute. Ah, le missile. C'est bon. J'ai pu l'éviter. Bon, là, j'ai pris très cher. On se calme. Tout va bien? C'est bon, je récupère ma vie. On peut retourner. Est-ce qu'ils ont eu le gars par contre? Parce qu'il y avait un gars assez violent par là. Ok, non, ça, il est gentil. Juste pour le plaisir de le casser, on peut pas le casser, dommage. Dommage, dommage. Ils l'ont eu les potes ou pas? Non, il est toujours là, type. Non, c'est mon pote. Donc, c'est bon, ils l'ont eu. Ils l'ont eu, y a pas de soucis. On peut passer de l'autre côté. Limite, est-ce qu'on prendrait pas un petit bonus? Parce que je tire, non, laisse tomber. On garde, ça, c'est quand même pas mal comme bonus. C'est quand même pas trop mal. Ok, vas-y, tire. Au hasard. Des fois que. Un plusieurs thermique, c'est pas dégueulasse, franchement. Ce n'est pas dégueulasse. Par contre, c'est juste. Le problème, c'est qu'il faut y accéder. J'entends des mines. Faire attention. Est-ce qu'il y a du monde là-bas? Genre, elle est toute seule? Ouh, non, elle était pas toute seule. J'ai cru que, en fait, là-bas, bombe de proximité était dans l'autre salle. Donc, j'ai continué à courir en pensant qu'elle était complètement de l'autre côté. Et que je pourrais passer. Mais non. Enfin, bon, l'avantage, c'est qu'il y a toujours 4-6. On a pas perdu le plus de valises. C'est au moins ça. Et ça sera pas suffisant. Waouh, de l'autre côté. Ça sera pas suffisant, c'est clair. Allez, faut qu'on tienne. Il faut réussir à récupérer au moins une valise pour égaliser. C'est au moins ça l'important, quoi. Au moins l'égalisation, enfin. Ça serait déjà ça de fait. Ils sont ouf. Ok, là-bas, il y a du monde. Je laisse passer. Je laisse courir. La petite grenade. Oh, t'es sérieux? Oh, il va péter normalement. Ouais, il va péter. Oh, méchamment en plus de ça. C'est pas grave, on s'est vengé. Toi, tu bouges pas en fait? Enfin, je crois que lui, il est un peu. Il joue pas. Donc, forcément, son deck 6, il y en a un qui joue pas. C'est chaud. Autant vous dire un 5v6 sur le genre de mode. C'est assez hardcore. C'est pour ça que c'est assez chiant quand t'as des gars qui jouent pas, qui sont comme ça en off. C'est un peu problématique. Est-ce qu'on tenterait par là? Attends, en fait là je suis ouf. Je contourne complètement. On va essayer. On va voir ce que ça donne. C'est que le problème, c'est de réussir à passer, c'est chaud. On prend le petit bonus. Des fois que. C'est un bonus cool. Ah, c'est pas mal. Tu poses par ici. Ça peut faire plutôt mal. Pour s'échapper, si jamais on peut venir par là. Ça pourrait être carrément cool. Pour nous protéger si on nous poursuit. Comme ça, on saura quoi faire. Ce que j'aimerais faire. Toi je t'ai vu. Toi je t'ai vu. Récupérer juste ici. Limite, est-ce qu'on peut prendre avec le bouclier? C'est une bonne question. Ah yes! Yes, c'est parfait. Du coup j'ai mis mon bouclier pour rien. Je trouve que c'est un ennemi. Il m'a fait un peu flipper le monsieur. Allez, je te couvre mon gars. Je te couvre. Je sais pas si on peut. Si en fait quand je mets mon bouclier. Non c'est mon pote. Ok, on stresse pour rien. Tout le monde qui stresse comme pas possible. Je crois qu'ils arrivent par là. Vas-y, mets la pression. La mine là. Non c'est bon. Je trouve que c'est une mine à terre. Ah, c'est la mienne, celle que j'ai mis tout à l'heure. Parfait. Du coup, ça nous couvre. Ça nous couvre un petit peu. Je continue à couvrir mon gars. Allez, vas-y. Il faut la ramener. Il faut absolument la ramener. C'est bon, ça, c'est à nous. On va la choper, je pense. Franchement, on est bien parti pour. C'est un pote, ça? Non, c'est pas un pote. J'arrive pas à tirer. Qu'est-ce qui se passe? Ok, j'ai de la chance. J'avais pas tiré. Je sais pas ce que j'ai foutu avec ma manette. Escorté. Allez, tiens, presque. Moi, je garde la porte. Je vais garder la porte. Et du monde là. Venez par là, les gars. Venez par là. Je vous attends. On leur met la pression. Faut pas qu'ils puissent avancer. Même si je meurs, c'est pas grave, l'important c'est juste de les retarder. C'est bon, on a eu la caisse. Ouh,
Ouh, 5-5, parfait, génial. Ça s'est bien passé pour nous, tant mieux. Ils sont en train d'arriver par ici, je crois. Est-ce que c'est par là? C'est par ici qu'ils viennent? Je sais pas où je suis, en fait. Oh, comment tu m'as eu, toi? Il a la même arme que moi, ça pardonne pas. Ça picote les yeux. Bah, du coup, c'est cool, ça en est reparti à 5-5. Ouh, allez, c'est bien. Est-ce qu'on va défendre? Ah, j'hésite, j'hésite. Wow, tu fous quoi, là, toi? Ah, je m'y attendais pas du tout. Mais alors, vraiment pas du tout. C'est pas grave. Au moins, il est mort également, enfin. Vas-y, prends le petit bonus. Merci bien, qu'est-ce qu'on a? Utilisateur de cartes? Non, ça n'a pas un grand intérêt là pour le coup. On va essayer d'en mettre la pression le plus possible. Limite, est-ce qu'on tenterait pas de la récupérer? Allez, vas-y. Par le centre, parfois ça passe. Ok, non, c'est bon, il est mort. Le monsieur est mort. Allez, merde, ils ont chopé. Vite, récupère tes bonus. Ouah, mets-toi à l'abri. Je sais pas où il est. Je mets ça au cas où. Ah, il est là. Non, ici. Meurs, saleté. Non, il meurt pas. Et du coup, l'autre m'abat comme un chien. Allez, 4 minutes, toujours 5-5. C'est chaud, franchement. C'est une bonne petite partie, là. Avec une bonne pression, hein, c'est sympa. On ne panique pas, tout va bien. Enfin, c'est qui, ça? Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est qu'il y a tel couloir, il y a tellement de monde dans tous les sens. Oh, salut, les gars. Enfin, bouge pas, la grenade. Oh, après, il a pas lancé la grenade. J'ai appuyé deux fois pour lancer cette foutue grenade. Je sais pas pourquoi il a pas envoyé. Parce que j'ai largement là le temps. C'est pas grave. Ce n'est pas grave. Nous, on retourne défendre, parce que là, c'est un peu chaud. Tant quand je peux retourner. Par ici, a priori. C'est juste là, non? Et vite, faut redéfendre. Waouh, tu m'as fait peur. Il faut défendre, parce qu'à priori, il y a du monde qui arrive. Il y a du... Oh, la petite tourelle, pas dégueulasse, ça. Sauf qu'il a pas mis dans le bon sens, non? Ah oui, pour couvrir cette porte. Non, c'est pas mal. C'est très très bien. On se calme, mais pas de soucis. Les gars qui stressent pas du tout. Donc c'est bon, les types, ils sont morts, là. Ouh, allez, égalité, c'est pas mal. Oh merde, ça va faire mal. Ouh, ça fait mal. En plus, c'est la mienne qui m'a tué. Ok, tué par vous. J'ai balancé ma grenade, je me suis mis trop vite à couvert. Et du coup, ça ne pardonne pas, ça picote les yeux. Ils arrivent par ici ou quoi? Je vois sur la carte, il y a du monde. Par ici, ouais, exactement. Beaucoup trop de monde en fait, j'aurais pas dû courir aussi vite. Une petite grenade, ça aurait été plus logique. C'est clair, on a la pression, il reste plus que 3 minutes, du coup on va vraiment tenir. C'est bon? Je crois que c'est bon. Ils sont tous morts, c'est que le pote était là pour couvrir. Wow, tu parles que c'est bon que dalle. C'est bon que dalle. Il faut leur mettre la pression. Allez, toi, tu meurs. Ah, derrière moi. Ouh, est-ce que mon pote va le faire? Je crois que mon pote l'a battu, yes. Il l'a géré. C'est que dans le dos là, tu peux rien faire. Ok, là. Oh, ils sont là, les gars. Ah, mais comment il m'a eu aussi vite, quoi. Heureusement, ils sont là. Ils couvrent comme il faut. On défend bien pour le moment. On défend très très bien. Bah, les mises planques, effectivement. La grenade. Ah, j'ai pas de grenade encore. Attends, c'est bon la grenade. Ouais, ça sert pas à grand chose. Non, j'ai fait quand même des dégâts. Et viens là. Viens lâcher qu'il y a du monde. Là, je vais pas faire le fou. On remet aller tranquillement. Faut pas prendre de risque. S'il passe, il peut récupérer la mallette sans problème. Je préfère attendre, un peu comme dans Rainbow Six Siege, où justement t'as plutôt tendance à attendre pour vraiment pas faire de conneries, parce que ça ne pardonne pas en cas d'erreur. Ok, le barrage, raté. Oh, c'est quoi cette grenade? Ok, c'est mon pote. C'est mon pote, y a pas de souci. Ouh, l'explosion. Assez violent. Vas-y, avance un peu, voir si je peux y aller. C'est bon, on peut y avancer. Je viens t'aider. Ah, ok, il y a du feu. Oh, barre-toi, effectivement. Ouf, c'était juste. C'était juste, si je pouvais balancer un petit peu de grenade, ça m'arrangerait. Attends, on va récupérer la vie d'abord. Attends, tu vas mourir comme une merde. Merde, le barrage. C'est bon. J'ai quand même perdu de la vie, attends un petit peu. J'ai en fait balancé ma grenade pour essayer de faire un peu de dégâts là-bas. Allez, vas-y. Oh oui, parfait. En pleine tête. Ça a piqueté les yeux. Attends, c'est un gars ça. Merde, la grenade, barre-toi. C'était chaud. C'était juste. Le problème, c'est que là, faut vraiment que je reste là pour couvrir. Je préfère attaquer. Mais là, c'est trop chaud. C'est trop chaud, attends d'avoir la petite grenade. Et dès qu'ils viennent, c'est la grenade dans la gueule. Et vous venez les gars ou pas? Ouais, allez, la grenade dans la gueule. Il est mort. L'autre, il faut le finir absolument. Oh, le bouclier, l'enfoiré. Vite, faut le taper. Oh, parfait. Oh, comment on a enchaîné ça? Comment on a enchaîné ça? On récupère la... Yes. On a sauvé la partie, là. À une minute de la fin, je pense qu'ils réussissent à récupérer le point. Il faut tenir. Je crois que j'ai des potes qui sont partis à l'attaque. Moi, j'ai vraiment occupé de cette zone. Parce que là, il y a personne qui couvre. Ah, je suis tout seul. Je suis totalement seul. Vite, mets-toi de l'autre côté. On est mieux placé pour réussir à les couvrir. S'ils viennent, ils sont morts. Il reste qu'une minute, donc je vais vraiment attendre. Je peux pas me permettre d'attaquer. Ça me paraît un peu trop risqué. 48 secondes. Est-ce qu'on a chopé l'adverse? Non, on a pas chopé la valise. 139 mètres. Ouf. Attends, il y a du monde qui arrive là. Fais gaffe. Fais gaffe, parce qu'il y a du monde. Allez, les gars, sortez vos têtes. Sortez vos têtes. J'ose pas avancer, c'est que j'allais de me faire avoir bêtement. Ouais, effectivement. Parce que je disais. Ouf. Il y a peu de chance, c'est pas où je suis. Non, oh là là, comme il m'a chopé, l'enfoiré. 25 secondes. Non, il a chopé la valise. Le truc qu'il fallait surtout pas faire. Le truc à ne surtout pas faire, il a réussi à le faire.
Bon, l'avantage là, c'est que je suis bien placé au centre. Il faudra qu'ils passent vers moi. C'est bon, ils ont sécurisé. Parfait. Quand on est là. On s'est entretué. Tant que qu'il était là. Je pensais réussir à prendre le dessus. Plus que 7 secondes. Oh, ça s'est bien passé. C'était chaud cette partie. On est égalité, c'est pas grave. On s'est tellement éclaté, franchement. Je me suis éclaté comme un petit fouf. Et le petit saut d'amour. Oh, match nul. Oh, c'était génial. C'est très très bien passé. Je me suis vraiment éclaté. 20-25, forcément, c'est pas un gros score par rapport à ça. On a fait notre taf. On a défendu. Puis on a réussi à revenir à égalité alors qu'on perdait. Donc c'est vraiment tip top. Du coup, qui sont les meilleurs joueurs? Meilleur tueur de porteur, Nifex 8. Parfait, très bien ça. Rang 25. Ah, c'était tellement bon. Je me suis vraiment éclaté. J'espère que vous aussi, en tout cas, les amis. Bah, du coup, est-ce qu'on va vite voir quand même les... ce qu'il y a ou pas? Là, il y a le double XP, on récupère tous nos petits points, nos petits points bonus. C'est parfait. Oh, max de crédit. Du coup, vu que la partie était plutôt courte, j'ai en profité pour montrer un petit peu les personnages. On va voir si on peut déverrouiller quelque chose. Au niveau des armes, c'est bon, on a accès à toutes les armes à présent. Par contre, au niveau des étoiles, enfin des cartes, je veux dire, qu'est-ce qu'on aurait pu prendre? Kyrocellule, tir ionique, tir concentré, détecteur impulsion. Ce que j'aurais voulu voir, c'est que j'ai quoi, 13 000 points, pour presque... Ah, je peux juste pas en prendre deux à niveau 7 000. Mais je peux prendre peut-être des trucs intéressants. Barrage. La capacité barrage du LMU-57, lanceur multi-usage, tire une volée de 3 grenades à court retardateur. C'est quand même pas dégueulasse, mais d'abord ce que j'ai vu, ça a été pas mal nerfé, donc je sais pas vraiment si ça vaut la peine de le prendre. J'hésite, je pense pas. Grenade aveuglante, tir explosif. Surcharge temporairement votre arme principale afin qu'elle tire une des décharges explosives, bien comme il faut. Ah, c'est pas dégueulasse. Ah, ça, je peux l'améliorer. Bouclier personnel, ça peut valoir la peine. Si je l'améliore, il se passe quoi? Ça augmente de combien? Réutilisation 20 secondes. Attends, ils indiquent pas ce qui se passe. Ok, j'appuie pour l'améliorer. Je pensais qu'il y aurait un massage confirmation, et pas du tout. Bon, écoute, c'est amélioré, c'est pas grave. Et du coup, on passe... durée d'activité de 9 secondes. Dans carte mise à jour, durée d'activité de 9 secondes. Ah, je crois que je passais de 7 à 9 secondes, si j'ai pas de bêtises. Au niveau de la protection, bah écoutez, tant mieux. Ça vaut la peine, il me reste 6500 points. Grenade fumigène, tir explosif. Bah du coup, je peux presque me déverrouiller deux trucs. Qu'est-ce que je prends? Allez, barrage, on va le prendre quand même. On va l'activer en tout cas. Confirmé, 3000 points. Je prends, enfin... comme ça, je pourrais le tester, j'ai pas encore essayé du tout. Moi, ce que je suis impatient, c'est d'avoir ça, l'arbalète laser. Ça a l'air d'être une telle tuerie. C'est niveau combien? 32, j'y suis presque. Je suis pas très loin. J'aurais pu profiter, je veux dire, du double XP pour monter un petit peu. Qu'est-ce qu'on a? Tir explosif sur Charmant. J'ai grenade aveuglante ou grenade fumigène. Pour le coup, détecteur à impulsion. Ce train d'impulsion à 360 degrés révèle les soldats ennemis, même s'ils sont à couvert hors du champ de vision. Ah, c'est pas dégueulasse ça, franchement. C'est pas mal du tout, ça peut être utile. Mais ce que je vais plutôt prendre, là, quoi, il me reste 3400 points. C'est vrai que grenade aveuglante, ça peut être carrément cool quand tu rentres. Vas-y, on le prend. Confirmé. On s'en déverrouille un peu tout ça. Petit à petit, ça avance. Parfait, les amis. Moi que j'ai pu améliorer. Non, c'est bon, ça s'est amélioré déjà, y'a pas de soucis. Bah, parfait, très très bien. Je suis content de mes cartes, elles sont plutôt cool. Est-ce qu'il y a autre chose? Par contre, du coup, niveau cartes, j'ai quoi? Main 1, j'ai ça. Et main 2, bah j'ai ça. Ouais, c'est pas mal. Je vais laisser ça. Est-ce qu'on peut avoir plus de mains? Bonne question. Est-ce qu'on peut prendre plus de mains? J'ai pas l'impression. Et je vais juste voir encore par rapport aux apparences. Bah, c'est un peu cher. 1700 points juste pour une apparence, franchement, qui sert pas à grand chose. Donc, non, on parle pas de l'argent. Là, j'ai plus que 300 points. Et c'est bon, ça va. Plus tard, je pense, quand je serai plus quoi faire de mes points, on déverrouillera ça petit à petit. Moi, j'ai toutes les armes, c'est important. Et puis, j'ai les bonnes cartes, je suis plutôt content. Elles passent, ma foi, plutôt bien. Bah, du coup, les amis, on va se laisser là. J'espère que ça vous aura plu. Pensez, c'est un petit pouce bleu. Et on se retrouve tout bientôt pour une vidéo. Ciao, ciao!